Aujourd'hui, la CCI Rouen Normandie inaugure le bâtiment Talentis situé dans la zone d'activité économique Élisa Lemoynier à Petit-Quevilly. Ce sont 1000 m² de bureaux et plus de 600 m² d'ateliers qu'elle propose à la location. Alors si vous vous sentez à l'étroit dans vos bureaux, renseignez-vous, il reste quelques espaces disponibles à la location. On visite! Je suis Olivier Roussel, le président de la Chambre de commerce et d'industrie Rouen Métropole. Alors la CCI a souhaité développer un bâtiment comme le Talentis parce qu'il n'y a pas d'offre d'ateliers, de petits ateliers pour les entreprises sur le territoire et donc on devait faire l'investissement. Je suis Monsieur Barrette de l'agence EAI. Je suis l'architecte du bâtiment Talentis qu'on est en train d'inaugurer aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de voir le bâtiment sortir de terre et se concrétiser après l'avoir imaginé dans sa tête. L'intérêt ici, c'est qu'un bâtiment, ça se construit entre le moment où on l'imagine et le moment où il existe. Il va falloir, on va dire, à peu près 3 ans. Et en général, les entreprises, elles se décident un peu sur la dernière année. Donc, il faut porter un projet en espérant qu'ils trouvent ses utilisateurs. Donc, il faut vraiment rester assez souple dans l'organisation, c'est-à-dire pas avoir un bâtiment qui soit trop rigide, qui soit pas exploitable, c'est-à-dire qu'on puisse le subdiviser si jamais les entreprises veulent des petits lots, qu'éventuellement une entreprise puisse prendre un plateau complet sur tout un étage, voire sur plusieurs étages. 63% de locataires dans les locaux, alors que la moyenne à 2 mois est plutôt à 50%. Donc, un vrai besoin des entreprises. Dans la zone ici, on a des bâtiments qui ont des volumes assez simples, donc on cherche pas une forme qui soit trop complexe. Par contre, du coup, on met en valeur les matériaux pour faire vibrer ces volumes. Donc on a un bardage vertical qui a un coloré champagne qui va un peu briller et être irisé quand il y aura de la lumière. Et côté boulevard Charles de Gaulle, on a ce qu'on appelle du polycarbonate. Et donc on va voir à travers cette façade ce qui se passe à l'intérieur, mais de manière un peu floue. Et donc ça va faire vibrer le bâtiment.